Quick. Please be seated. Le président. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise des and débats. I'd like to give the floor to the defense team for Insari to continue putting questions to this witness. You may proceed. Thank you, Mr. President, and good afternoon again Maître to everyone. Merci, Monsieur le Président. Sir, I now want to focus to a topic that has been discussed quite a bit, Monsieur, but I'll keep it brief. This is your understanding of Committee 870. À savoir le comité 870. And so I'm going to begin by referring you to your statement of E3/64. This would have been your first statement. I'm looking at English, it would be page 7. Khmer, it's 00 32 80 28 029. French 00 41 16 97 98. And then English, it's 00 33 40 48. And here, part of your answer, you say, dans votre réponse, towards the end of, the of your answer, you say, next step, they were sent to the typist après, group, ils étaient envoyés aux copistes, and then sent to the standing puis committee, envoyés au comité permanent, and in parentheses, puis entre parenthèses, we see marqué, committee 870. Comité 870. After that, Pon annotated on the telegram whom these telegrams would be sent to. Transmettre à telle ou telle personne. So here you state that Committee 870 is a standing committee. Que le comité 870 now est le comité you go permanent. To page 13 in the same statement. La page 13, toujours. A few pages further down. In Khmer, it's 00 32 80 35 37. French, it's 00 41 41 17 03 04. In English, 00 33 40 54 54. Here you're asked the question. On vous pose la question suivante. What is it always sent to all the standing committee members? Est-ce toujours envoyé à tous or was it just sent central, to this or that person, permanent, but not all? Ou à une personne, mais pas tout. Mostly it was sent to Committee 870, surtout envoyé au comité, but in some cases 870, it was not sent temps. To all of the standing committee members. Du comité permanent. It was only sent to the relevant persons, transmis aux personnes who were responsible for making a response. Question. Personne chargée de répondre. Question. What did, quote, to Committee 870, qu'est-ce que signifie, unquote, au comité 870, mean, and whom did that refer to? À qui cela faisait-il référence? Answer. Et vous répondez. It referred to the entire central committee. Au comité central tout entier. Let's stop here. Marquons une pause. In one statement, you say that vous the standing committee is Committee 870, que le comité and then later on you say permanent, c'est le comité it 870, is the puis central fois, committee. Vous dites que c'est le comité central. Were you guessing or were you presuming des suppositions when you made these statements, deviniez-vous or was this based on actual knowledge? Ou étiez-vous fondé sur des connaissances directes de la chose? J'aimerais dire que j'aimerais dire the statement that I made was based on my experience in seeing a number of telegrams
Some telegrams would address to 870 committee or encart 870. Ou encart 870. And as to my presumption par rapport of that committee, donc quant à mes suppositions au sujet de ce comité, is of an uncertain nature, as I am myself not 100% sure. Car je ne suis pas moi-même certain. Most of the telegrams addressed to 870 committee. La plupart des télégrammes adressés au comité 870. For instance, you can refer to telegram number 236, which addressed to 870 committee. Qui est adressé. Let me stop you because I want to answer. I want you to answer my questions. Laissez-moi vous interrompre car j'aimerais que vous répondiez. And perhaps something is being missed in translation. Peut-être y a-t-il un problème d'interprétation. On one page of your statement, you say that committee 870 is a standing committee. Que le comité 870. A few pages later, in the same statement, which you signed as being true, accurate, and complete, you say that 870, Committee 870, is a central committee. C'est le comité central. Which of the two is it? Lequel est-ce? We have two different versions. Vous avez deux réponses différentes. Did you actually know when you made that statement? Que saviez-vous lorsque vous avez dit cela? I am more certain on the word center. Le mot centre est celui. I want you to answer my question, please, sir. We have j'aimerais que vous répondiez à ma central question, committee je vous prie, and standing committee. Le comité central, comité permanent. Yes. The prosecution, you may proceed. Counsel, please hold on, and witness, please wait. Your Honours, repeatedly, my learned friend asks a question. The witness attempts to provide a response. When the response is not satisfactory to my friend, he interrupts, and I might say quite abruptly, I would invite the chamber to direct my learned friend to lower his tone, to treat the witness with the respect that he deserves, and to stop interrupting him and allow him to answer the questions he's being asked. Répondre aux questions qu'on lui pose. Mr. President. Le président. President. Counsel, please do not interrupt the witness. Let or allow the witness to respond to your question, as he may have explanations to make in his response on various aspects, and we have observed that repeatedly. Cette attitude répétée de votre part. We are of the concern that if you keep interrupting him, the witness might not be willing to respond anymore. Si vous continuez de l'interrompre, Mr. President, I was trying to be mindful of the time, so he would not have to come back next week. J'essayais d'être respectueux du temps qui m'avait été imparti pour éviter de faire revenir le témoin la semaine prochaine. The question again. Laissez-moi poser la question. On page 7. À la page 7. In English, at least, in one page, you say that Committee 870 is the standing committee. C'est le comité permanent. The standing committee. Nothing about party there. Permanent. Il n'y a pas de parti. A few pages later, you say quelques pages plus tard, that vous dites Committee 870 is the central committee. Le comité central. Let me ask you this. J'aimerais donc vous poser la question. Do you know whether there is a difference between a standing committee and a central committee? Comité. Let's start with that. Permanent. Commençons par là. Yes, there is a difference. Oui, en effet, il y a une différence. The difference in your answer. Maître Carnavas, et voyez-vous la différence entre vos deux réponses?
Yes. Réponse. There is a difference. Oui, il existe in one, une différence. In the bracket, it states the standing entre committee. Entre parenthèses, on voit comité permanent. And the other one is referred to the central committee. Marqué comité central. Now, when this statement was question. Read to you, and you signed quand it, vous a lu ce procès as being truthful et que vous and l'avez accurate, signé comme étant exact et fidèle à vos propos, can you please tell us whether at the time when you did so, this was a mere oversight. Si, à l'époque où vous avez signé, c'était une omission de votre part. Le président. President Council, could you repeat again as my interpretation is difficult to understand. Difficile pour nous de comprendre l'interprétation de vos propos. Now we know at the when you finished with your interview and they came back 5 weeks later. À la fin de votre they read the interview back to you. Ils sont revenus vous voir 5 and then you signed it without making these corrections at least. Et vous l'avez signé sans you've told us that there is a difference between the standing committee and the central committee. Vous venez nous dire qu'il existe une différence entre le comité central et le comité permanent. And so my question now is, et j'aimerais savoir, was this a mere oversight on your part when you indicated that committee 870 is both the standing committee vous avez and the central committee? Dans cette déclaration or que le comité did you not know at comité the time? Permanent ou, et le comité central. Ou peut-être qu'à l'époque, vous ne connaissiez pas la différence? Je n'y ai pas fait attention. And the central committee. Quand j'ai vu... However, enfin, je n'ai pas remarqué cette différence the did not distinguish mais the difference between the standing committee or the central committee message ne pas la différence entre le comité permanent ou le comité central car il était au comité 870 and copy to Uncle Noon, Uncle Wand and Brother Q. Van et frère Q. So I concluded that it did not refer to all members of the que cela ne faisait pas référence à central tous les committee. Membres du comité central. It would mean it referred to the standing committee. Au comité all right. Permanent. So, Maître Carles, your understanding right now, donc, today, is that committee vous comprenez 870 que le comité is 870 the standing committee. C'est le comité permanent. And it is not. It is not the central committee. That's your testimony pas le comité today. Central. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Réponse. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Let me confirm that the 870 committee referred to comité the standing committee. Fait référence au comité permanent. All right. Now, Maître you also Carles. Indicated in your testimony vous avez aussi indiqué that some of these terms were used interchangeably certains de ces termes étaient utilisés les uns pour les autres as far as committee 870 que comité office 870 bureau 870 870 870 and this can be found on the transcript et on peut le retrouver of 4 September 2012 and let's see what you said on that day voyons voir ce que vous avez dit ce jour-là Khmer 00 84 44 93 French page 60 to 61 English page 55 you say I am not really sure concerning the term committee tout à fait certain par rapport that's why I stated as what I am not sure sometimes I read committee 870 or sometimes office 870 sometimes there are only note, parfois, noted 870 alone, 870, without committee or comité, office. And this makes it difficult for me qui, to be more precise because the terms are interchangeably used précis, car on utilise and it is difficult to recognize it which is which. Il est difficile de reconnaître I take it you stand by that answer of yours. Je présume que vous maintenez vos propos aujourd'hui.
Yes, I stand by that statement. Oui, je maintiens ces propos. And then, question. On September 3, 2009, there was a question posed to you, and I'm going to refer you to page Khmer 0084 42 23 84 42 23 French page 69. L'interprète reprend l'année 2009. Where you begin with M, as you already read, it refers to office. Vous dites que quand il y avait la lettre M, ça renvoyait au bureau. 870 is similar to office 870. C'est la même chose que le bureau 870. Central committee. Ça renvoie even the term ANCA, au comité central. 870 même le terme is ANCA, 870, to refer to M870, peut être utilisé de façon interchangeable pour désigner M870 ou 870 ou le bureau 870, ce qui à l'époque était le centre. Et ici, l'accusation vous interroge. Do I understand correctly that all those various designations, à savoir que tous ces noms, ANCA, 870, M870, renvoient tous au comité central, answer, that's my d'après understanding. La façon dont yes. vous voyez les choses? Do you réponse, effectivement, c'est ainsi que je voyais les choses. Vous souvenez-vous avoir donné cette réponse à cette question? Réponse. Yes, it referred to the center. Oui, cela a renvoyé au centre. Oh, the middle. So long as it bears the code pour number 870, it qu'il y avait la mention to the de 870, center. Cela veut dire que c'était le centre. Okay, well, let me make sure that nothing is being lost in translation. Assurons-nous que rien n'a été told perdu dans the committee 870, vous avez dit for sure. Que le comité 870, sans aucun doute, sur la base de la façon dont vous comprenez les choses à l'époque, était le comité permanent. I'm showing you part of your testimony, à présent, je vous présente une partie de votre déposition où il est question de 870 in various different contexts, which you dans différents contextes. That it was used interchangeably. Vous avez reconnu que le terme était interchangeable. This referred to et ici, vous dites central que cela committee. Renvoyait au comité central. Are you making a distinction between pour vous, y a-t-il 870 une distinction entre 870 et comité 870 given that you already indicated dès lors que vous avez déjà dit que vous ne saviez pas bien qu'est-ce qui était quoi à l'époque. But, réponse. I am not sure the distinction between the committee je ne suis pas certain de la distinction à faire entre I le comité not, et l'encart. But what I know for sure mais ce dont je suis certain Office 870 concerne le bureau 870. Whenever they talk about 870, à chaque fois qu'on parlait de 870, the center. Cela and désignait 870, le centre. That's what I was quite sure of. Concernant 870, right. J'en but suis I'm sûr. I'm trying to make sure. Question. Then you answer my question. J'essaie de veiller à ce que vous répondiez because à mes I'm questions. I'm trying to establish whether car you are guessing, de déterminer si vous whether you are devinez, assuming, si vous supposez, or presuming, si vous supputez, that Committee 870 que is the standing le comité committee, 870 était le comité permanent, or the central committee. And it par appears au comité central. That you today or, don't really aujourd'hui, know. Vous ne savez pas exactement. Of what we're hearing from you? Est-il raisonnable de résumer ainsi ce que vous nous dites? I am not sure because I was not certain and I did not know. But what I knew for sure was mais that, ce que je savais, 870 sans aucun was doute, referred to c'était que 870, as the center. C'était le centre. All right. Now, if we move along question. To what one witness told us
Passons aux déclarations d'un témoin. Professor David Chandler. Le professeur David Chandler. And of course, his name came up in one of the objections by the prosecution. Entendu, son nom est apparu dans une des objections de l'accusation. Well studied in Cambodian history, particularly this period. Ce professeur connaissait bien cette période de l'histoire du Cambodge en particulier. What Mr. Chandler told us. La déclaration de Monsieur Chandler. And I'm referring to his testimony of. C'est sa déposition. 24 July 2012. Khmer page. À la page suivante. 0082 82 66 44 45 en français. 00 82 86 07 08 English. Et en anglais, 00 82 87 55. And here, a question is being posed to him. Une question lui est posée. Je vais lire la partie pertinente. And you gave us an explanation. And at one point in your testimony, vous avez donné une explication, et dans votre déposition, vous avez dit que Pol Pot était aussi désigné sous le nom de 870, entre guillemets. The answer, yes, again, I don't like to quibble, but I don't think it was considered, I don't think he was considered Ezanka. I think his code name was 870. Then, je later ne on, veux pas chicaner, mais je ne pense pas qu'il était considéré comme l'encart. Je crois que son nom de code était 870. Ensuite, in Khmer, it would be 0082 à la page 6644 et 45 en français. 82 86 37 to 38 and then English 82 86 37 et 38 et en anglais 82 87 85. He then again states. In part, I certainly, but I had certainly known, and I have testified on this point several times. J'ai déposé plusieurs fois with no reference to the closing order, that 870 was a code name for Pol Pot. This is a well known throughout my research. This is well known throughout my research, and I've written about it. Est bien connu dans toutes mes recherches et j'ai écrit là-dessus. Now here's my question. Would you like to provide us with an opinion whether Mr. Chandler, concerning Mr. Chandler's analysis, quel est votre avis as a historian, sur l'analyse historique that 870 de Monsieur Chandler, referred selon to laquelle Pol Pot, 870 at least at times, à Pol Pot, au moins parfois. The president, witness, please hold on. The prosecutor, you may proceed. La parole est à l'accusation. Témoin, veuillez attendre. Your Honor, we would object to this question. The witness objection. Was asked about his understanding on of the facts. Au témoin he's given ce qu'il his answers. Faits. Il he's a been répondu. Asked the question over on and over again. A répété plusieurs fois it is not la appropriate question. For him to be asked on ne doit to opine lui on the demander opinions of experts. Un avis it adds sur nothing l'avis des experts. To the inquiry. Cela he's already told rien. Us what his understanding il was, and that's where. Déjà dit ce qu'il pensait, il faut en rester là. La défense. Je vais reformuler, Monsieur le Président. Was Pol Pot ever referred to est-ce que l'on désignait parfois Pol Pot sous le nom de 870 selon les connaissances que vous possédiez à l'époque? To my knowledge, répondre. For Pol Pot, he was never addressed as Brother 870. So 870 was never ever on referred to any particular individual. 870 pour désigner une personne. They addressed him by the code name Brother Pol on or Brother. Number frère Paul ou frère numéro 1. And that referred to Pol Pot. Et ça envoyait à Pol Pot. To your knowledge, 870 never meant Pol Pot. La défense. To your donc, knowledge. À votre connaissance, 870 n'a jamais désigné Pol Pot. Man. Office 870. Réponse.
was not referred to as Polpert either. Sir, I never said anything about Office 870. Ce n'était pas Polpert, la défense. Je n'ai pas parlé du bureau 870, j'ai parlé de 870. To your understanding, 8 Pol Pot was never referred to or understood to be Polpert n'était jamais désigné comme 870 ou considéré comme étant 870. No, he was never referred to as 870. Il n'était jamais désigné sous le nom de 870. 870 was the code name used for the entity. It was not meant for individual. It was not referred to an individual person. Thank you. La défense. Merci. Now, I'm on my last topic. Dernier thème. So, I want to go to your statement. Je voudrais revenir sur and vos déclarations. It'll be page 60, the E3/64. E3/64. Khmer 00032-8039-40. French 00417-17-07. English 00033-0057. And I'm going to ask you a question which concerns a telegram that was sent, that was shown to you. Telegram number 15, which is also E3/1679. Though we did not look at the telegram itself. Même si le télégramme, but I just want to look at the question and the answer. Examiné, and the question is this. Réponse. In this telegram, there is a request for an opinion. Did they receive, did the receiver of this telegram have to respond to this request? À cette this was asked, the investigators asked this of you. C'est la question and this is your answer. Posée par with certain problems, voici ce que vous avez répondu. If Pol Pot pour was able to solve them, quand Pol Pot he would respond résoudre, right away. Il répondait immédiatement. But mais with some ungraspable problems, dans le cas which require problèmes, the whole committee to solve them, Pol Pot would call a meeting with the standing committee to make a decision. Devait se prononcer et Pol Pot convoquait le now comité let's go central through your answer. Pour prendre une décision. With certain problems, Pol Pot was able concernant to solve them, and he would do so immediately. Pol Pot pouvait les résoudre et le faisait tout how suite. Do you know, based on what actual knowledge, experience, concrètement, quelle est votre expérience can qui you say vous permet that? D'affirmer cela? Ah, le... réponse. In relation to the telegrams, I pour ce qui est des télégrammes, encounter the circumstance when he responded to il y a it eu des cas immediately. Où il a répondu for example, when there was an emergent request par exemple, from the battlefield lorsqu'une demande urgente for émanait du champ de comments bataille, or decision from the upper authority, demandant he, Pol Pot, upon receiving the message, après réception du message, soon afterwards, tout there was de suite après, a responding message sent back. That's what I had come across. C'est ce que j'ai observé. But as for complicated matters, mais he would not respond les questions immediately. Il ne répondait pas immédiatement. He, as I said, comme je l'ai déclaré, he may have called peut-être the meeting qu'il convoquait to une réunion reach a decision. That's why I have décision. Suggested to the court that wherever I used any dit, à chaque fois word that suggested the presumption of my answer, then it was based on my personal
presumption of the fact. Hypothèses. So I have already asked the chamber to remove those parts. Et j'ai déjà demandé à la chambre de ne pas tenir compte de ces parties de déclaration. And are you suggesting to the trial chamber that they should remove in this regard dites-vous à la chambre qu'il conviendrait statement de ne pas prendre en considération la partie de votre déclaration où vous dites qu'il convoquait une réunion du comité particularly in light permanent of the fact pour that prendre you never une décision, surtout compte tenu du fait que vous n'avez jamais assisté à des réunions du comité permanent. Yes, that's correct. I never attended the meeting of the standing committee myself. But are you asking the trial chamber to disregard demandez-vous à la this chambre part of d'ignorer your statement cette partie de votre déclaration? Because it's a presumption on your part. Au motif qu'il s'agit d'une hypothèse de votre part? Yes, I am. Thank you. I'm most grateful. Réponse. If we could look at your next statement, effectivement, which is E360/67. Question. Prenons E3/67. This is just another example. C'est un autre exemple. Khmer page 0029454543-44. French 00374939-40. In English, 00483972. Et en anglais, la page se terminant par 72. 10, I believe. Je crois que c'est la page 10. If we look at this document, you're asked a question on paragraph question number 19. Vous est posé and it refers to 19. Direction of 870. Il y est question direction of 870. Dated d'une directive January de 1970, and then you begin by saying that you recognize the et handwriting. It was Pol Pot, avoir because he had the right to make Pot, corrections. Lequel avait le droit d'apporter des corrections. Now let me ask you this: voici did you actually question. Recognize the handwriting avez-vous to be Pol Pot's, or did you assume it was Pol Pot, celle de Pol Pot ou because you assumed that he had the right to make corrections? Parce que vous supposiez qu'il avait le droit d'apporter des modifications. I have seen Pol Pot's handwriting before, j'avais and the correction Pol Pot over there was that of Pol Pot's handwriting. Okay, thank you. Now you go Pol on Pot. To say, question. In part of your answer, ensuite, this document may have belonged il se peut to Committee 870, appartenu au comité coming 870. From a discussion meeting. Émanant d'une réunion de discussion, on en a fait un procès-verbal, mais on ne sait pas qui d'autre a participé, et l'endroit de la réunion n'a pas non plus été révélé. Mais parfois, c'était aussi l'idée de Pol Pot. D'abord, il rédigeait et il soumettait le texte à une réunion du comité 870 au sein d'approbation. Il soulignait en rouge tous les points importants, et ça continue. Now I notice that you use the word. Je constate que vous employez may. L'expression il se peut que. Is this another one of those situations s'agit-il where you're given a document autre de ces situations où to un analyze document vous est remis and you are providing aux fins d'analyse assumptions et où vous faites des suppositions. Gentlemen. Réponse. That is correct. Effectivement. Because they did not advise me to be cautious of the use of the word presumption or speculation. And at that time, during the interview, I used the word maybe. Pendant a lot of les times, entretiens, j'ai souvent because employé I des termes comme sure. peut-être parce que je n'étais pas sûr. Thank you. Now, if we go on to la défense. Back to merci. The statement of E367, and I'm referring to
Khmer page 00 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
montre un document intitulé « Réunion du comité permanent en date du 9 octobre 1975 ». Or, vous avez dit ne jamais avoir assisté à des réunions du comité permanent. Mais voyons ce que vous dites de page plus bas, à la page 14 de la version anglaise, en Khmer, c'est la page 48 et 49, en français 42-43, et en anglais 76, je cite. D'après ma propre analyse, certains n'ont pas appliqué complètement la directive du parti parce qu'ils utilisaient leur position élevée. J'ai vu un dernier document indiquant qu'on n'avait pas demandé l'avis. And in some cases, no report du comité was made. Permanent, c'est le fait qu'on avait tué 40 personnes et aucun rapport n'a été établi là-dessus. Based on this answer, is this analysis based on your personal experience in the field, of which you told us you never went to the base? Se fonde sur votre expérience personnelle sur le terrain. Or, vous dites n'êtes jamais allé dans les bases. Or, ou bien est-ce que vous avez lu ces documents, vous avez comparé avec d'autres documents et vous avez essayé de répondre aux enquêteurs? Réponse. Made it clear from the beginning that it was according to my analysis. It was my personal analysis. It was not my personal experience. Il ne s'agissait pas of my de mon expérience visit propre to the bases. Qui serait le fait d'une visite dans les bases. I merely saw the documents presented by the OCIJ to me, and I assisted in analysis. And when you assisted in analysis, such as in this case, question, quand vous avez aidé à faire une analyse, there was an objection raised earlier this morning présent, by the prosecution. Ce matin, l'accusation a soulevé une objection. In these sorts of cases et where you were dans ces cas providing an analysis, vous effectuez une analyse, were you not also making presumptions, est-ce que vous ne faisiez since you did not have, également at least in many puisque dans bien des cas, vous n'aviez pas une connaissance de première main des événements. Yes, that is correct. Effectivement. Because I read the content of the telegrams. J'ai lu le contenu des télégrammes. Through the documents they handed over to me en examinant les documents qui m'ont été remis afin que je donne des explications. If I understand question. Your answers si the last 3 days and in particular today, ces 3 derniers jours et en particulier aujourd'hui, it would appear that you're telling the trial chamber vous dites à la chambre de première instance very careful qu'elle doit être in accepting très prudente what is in your statements au moment d'accepter ce qui figure dans vos déclarations you are making assumptions à chaque fois que vous faites or presumptions, des suppositions, conclusions, des supputations, or analyses. À chaque fois que vous analysez, que vous concluez, est-ce que c'est ce que vous dites à la chambre de première instance? Le président témoin veuillez attendre. Witness, please hold on. Mr. Prosecutor, you may proceed. Your Honours, we object. The question is both objection. A compound question. Cette question est une and it is a question misleading question. Étage, et c'est en plus une question de nature indirectement en erreur. And gave les juges ont donné des instructions. Clear distinction between et on fait une distinction très claire entre la spéculation et les réponses fondées sur l'expérience. Compte tenu de ces instructions, on ne doit pas demander au témoin de donner des conseils à la Chambre sur la façon d'apprécier ce qu'il dit.
En toute cas, on ne peut demander à un témoin ce genre de choses. Les juges sont parfaitement à même d'évaluer les éléments de preuve dont ils sont saisis. Nous savons quelles sont les limites et le témoin a bien dit quand il s'appuyait sur son expérience et quand il procédait à une analyse et quand, le cas échéant, il émettait des hypothèses. La défense. Une réponse brièvement. Le gentleman. Au cours de ces trois ou quatre jours, le témoin a été interrogé au sujet de la façon dont les déclarations ont été recueillies, la manière dont il les a lues et signées à l'époque, et quand on lui a présenté certains extraits de ses déclarations, à maintes reprises, il a dit qu'il avait fait certaines hypothèses, qu'il avait spéculé, je crois pouvoir utiliser ce mot dans le présent contexte, et qu'il avait effectué des analyses et que parfois il n'avait pas de connaissances personnelles, mais qu'il avait seulement lu les documents et essayé de donner des réponses. Ces derniers jours, le témoin a aussi dit que la Chambre devrait ignorer les parties de sa déposition dans lesquelles il emploie des mots comme peut-être, il se peut que, à mon avis, je crois comprendre. Je demande juste au témoin. Si, à la lumière de réponses données aujourd'hui, il souhaite que la Chambre fasse preuve de prudence and circumspect in accepting anything that is in circonspection avant d'accepter quoi que ce soit qui se trouve dans ses déclarations. The President, I now hand over to Judge Cartwright. You may proceed, Your Honor. La juge Cartwright. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. The trial chamber upholds the objection by the prosecutor. L'objection soulevée par l'accusation. The judges will take into account the various matters that have been raised during examination of this witness, both in its relating to the evidence in its totality ceci and to specific portions la of his evidence, dans son intégralité, and the judges ainsi que certains are quite capable of coming passages. To this conclusion. Thank you, Mr. Carnavas. Même I'm most grateful, Mr. Cartwright. It was merely a Carnavas, je vous en suis très reconnaissant. And with that, c'était juste un résumé, une question de clôture. Et là-dessus, en mon propre nom et au nom de mon équipe, nous vous remercions d'être venu déposer. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous et bonne chance. Merci beaucoup, mesdames, messieurs les juges. President. Le président. There is only a little time left for this afternoon proceeding. De cet après-midi. We therefore decide to adjourn the proceeding today. Il reste peu de temps. Nous allons donc écourter les débats. So resume it on Wednesday next week, starting from mercredi 9 prochain à 9h du matin. And we will commence the hearing the testimony of TCW 307, who will first be questioned TCW 307, by the prosecution after the initial
questions by the après bench. Que les juges auront posé les questions initiales. We would like to inform that on Monday and Tuesday, that lundi is the 10th and the 11th les 10 of September 2012, the chamber will not hold the hearing. La chambre ne siégera pas. We need to deliberate car and les juges doivent délibérer on a number of et se prononcer sur différentes questions. En outre, certains des juges assisteront à la réunion du comité de procédure. Mr. Nong Sopong, Monsieur the hearing Nong Sopong, of your testimony votre has déposition come to a conclusion est à présent today. Terminée. And your excuse, so you can return to your residence. À présent the chamber à is grateful of vous. Your testimony. La chambre vous remercie for d'être venu déposer number of days, durant plusieurs jours. Thank you for your patience merci and best pour effort votre you patience. Have given. Merci pour as les efforts que vous avez part of fait. Contribution to ascertaining the truth. Ce sera une contribution à la manifestation de la vérité. Safe nous vous journey. Souhaitons bonne chance et un court bon retour chez vous. In coordination monsieur with Mr. Unit, please arrange for the witness to return to his residence. Et experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez lui. Concernant le témoin de réserve, TCW 307, veuillez and have him returned on the vous morning occuper of Wednesday, de lui 12, pour September qu'il puisse rentrer chez lui et revenir security mercredi guard, prochain. Agents de sécurité, to the detention veuillez facility conduire and les trois accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire 12, le mercredi 12 septembre 2012 pour 9h du matin, l'audience est levée.